Stimuler son cerveau, c'est apprendre de nouvelles choses. Mais ça veut dire aussi pratiquer une activité avec une forte concentration. On appelle cet état, qui est un état de conscience modifié, l'état de flow. Il est décrit par les psychologues, par les neuroscientifiques. Quand on pratique une activité avec beaucoup de concentration, finalement, on met notre ego de côté, donc nos préoccupations, nos craintes, notre anxiété. Et cet état de conscience modifiée, qu'on appelle l'état de flow ou de flux, on va se rendre compte qu'on peut le pratiquer quotidiennement. On peut bricoler, on peut faire une activité manuelle, on peut aussi, par exemple, lire un bouquin passionnant. Et d'ailleurs, on remarquera que quand on fait ces activités, on perd la notion du temps parce qu'on est absorbé. C'est ça le flow. Le fait de mettre ses préoccupations de côté améliore la santé psychique de l'individu et donc sa santé mentale. Quand on parle de ressources mentales, finalement, moi, je pense souvent aux athlètes de haut niveau qui sont amenés à faire des sessions de préparation mentale à l'approche d'une compétition importante. Finalement, dans ce temps de préparation mentale, ils vont se fixer des objectifs, ils vont essayer d'identifier quels sont les enjeux et comment se préparer mentalement en développant leurs habiletés cognitives. Et finalement, ce processus de préparation va contribuer à développer leur performance, à développer leur bien-être dans la pratique du sport à ce moment-là, mais aussi de développer leur autonomie. Alors on parle développer la performance, développer l'autonomie, développer le bien-être. Finalement, ça serait intéressant aussi de pouvoir transposer ça dans le monde du travail. C'est ce que nous on fait en tant que psychologue quand on travaille avec les salariés, par exemple sur des reprises de poste. On vient échanger avec eux sur comment définir les objectifs dans la reprise, pourquoi ils doivent reprendre, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs craintes. Et finalement, on vient les inviter à se projeter dans cette situation de reprise et ainsi à préparer leur posture, parfois leurs propos, mais aussi se préparer aux réactions de leurs interlocuteurs pour savoir comment réagir. Et finalement, ça contribue à les détendre et à leur permettre de se sentir plus à l'aise dans cet exercice.